Bonjour à tous, vous voyez sur ces images, le temps n'est pas vraiment à la bronzette, il pleut sur la pelouse, mais ça va avoir son importance pour la suite dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnu, c'est Omar et Benji. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent, Colchester United contre Blackburn Rovers. Et oui, on a beau parfois en avoir marre d'être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. On va regarder la composition de cette formation. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Le même schéma en 4-2-3-1 que l'équipe adverse. Ce qui va compter, c'est de conserver l'initiative avec le ballon, ne pas subir les offensives adverses. Thank you. Enjoy the game. C'est parti dans ce match. Passe à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. En bonne position là. Et une bonne intervention, mais le ballon est toujours en jeu. Allez, pas de pied, il faut prendre un risque maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Olé, le bon mouvement. Et ici l'occasion pour mener. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. La pression sur le porteur. Ah non, ce ballon est perdu. Ah, le ballon intéressant. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Allez, bien frappé ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Allez, bonne couverture de balle pour temporiser. Allez, super anticipation. La passe est parfaitement coupée. Sous pression. Ah, c'est bien parti. C'est un ballon pour les gants du gardien.
Oui, déposséder du ballon à la régulière. Henri. Et voilà, un ballon récupéré. Ballon pour égaliser. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Le corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Allez, bien joué. Il efface son vis-à-vis. Et bien fait. Attention à l'occasion. Sur ce ballon, voilà une belle preuve de caractère, de retour dans ce match, et tant mieux pour le spectacle. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action, et derrière ça va très vite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Très bonne intervention. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque et le face-à-face à venir. Allez, du mouvement pour exploiter ce ballon. Et le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Mais attendez, pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. Un corner bien joué, bien frappé. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Corner, de nouveau. Corner qui est bien ajusté, un corner mal tiré et c'est facilement capté par le gardien. Ah, évidemment le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Récupération du ballon. Bonne progression dans le camp adverse.
Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Henri. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. La projection dans le camp de l'adversaire. Le ballon récupéré sans commettre de faute. Henri. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Oh, la frappe. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Cornea. Voyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse et à la fin le plus difficile ce n'est pas de la pousser dans le but mais d'arriver à sentir le coup. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Bien défendu ça. Le ballon est contré. Encore un tir contré, il est partout. Oui, bien fait de la part du gardien. Le changement est demandé et il a lieu. Petite astuce, c'est jouer court. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. Récupéré par l'adversaire. Jolie cette passe. Attention à la frappe. C'est raté, l'occasion est manquée. Le triplé n'est pas pour tout de suite. On ne s'attendait pas à une telle performance de sa part. Aucun doute que le troisième va finir par arriver. Olé, belle technique là. Pas la conclusion peut-être sur ce ballon. Oh oui, ce but. Et ce but qui va faire du bien et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs.
On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Oui, le ballon est intercepté. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Parade la magnifique! Bonne intervention, le danger s'éloigne. Oh, le tir de loin. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup moins. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et là, ça passe largement à côté du cadre. On peut frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Intervention là. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Regardez, l'option de passe était ouverte. Il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il se passe. On se mélange les crayons. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Et la bonne parade du gardien. Il résiste bien à la pression. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Interception en pleine surface de réparation. Et il y a un gros pressing. Une grosse pression, ballon perdu. Minutes de temps additionnel. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Bonne intervention du gardien. Bien frappé ce corner. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets.
avec ce but, le score est maintenant de 5-1. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe d'Isoko. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match.